Allo, c'est The Lord Samurai en direct des Sims 4. Retour sur, donc sur ma famille. Après pas mal de petits déboires, puisque les deux dernières vidéos sont pour la petite maison, la nouvelle petite maison que je leur ai fait, puisque j'ai envie de les faire déménager. Et j'ai eu quelques soucis, j'ai voulu mettre mon jeu à jour. Et ça a eu une fâcheuse tendance à planter dans tous les sens. Je ne savais même plus lancer mon jeu. Et donc, après quelques déboires et après quelques prises de tête, j'ai mis 2 jours quand même à réussir à refaire fonctionner mes Sims. Heureusement, j'ai réussi. Et en prime, j'ai les dernières mises à jour. J'ai donc mon petit détente au spa. Et le truc de la cuisine aussi, je sais plus comment on s'appelle le pack. Donc ça fait plaisir, là, en attendant le prochain add-on, ça fait vraiment plaisir. Et pourquoi t'as voulu bouffer un crumble aux fruits, toi? Vilaine vie. Bref, donc, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de petits changements. Merci pour la musique. Notamment au niveau du jardin, puisque j'ai été récolté ce qui me manquait. Il m'en manque encore, hein, il m'en manque encore. Je n'ai pas tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Inventaire. Voilà. Donc, il me manque. Ici, j'ai tout. Il me manque la plante extraterrestre. Qu'il faut apparemment aller chercher dans l'espace. Donc ça, j'ai pas de fusée. Je pense pas en faire une tout de suite non plus. Donc pour le moment, ça manque. J'ai réussi à avoir la plante vache. Qui malheureusement, on la voit pas là. Parce que elle est mourue. Et j'ai une mise à jour en plein milieu de vidéo. Espèce d'enfoiré. Et j'ai... Voilà, il me manque ça. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, ça serait des... Ici, ça serait de faumerie. Et ici, ça serait... Je sais pas quoi. Je sais pas quoi du tout. Ou alors des feuilles de feu spéciales. Ou je sais pas trop. Bref. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, je vais... bah, c'est samedi. Je pense qu'il ne travaille pas. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Et donc, aujourd'hui... vous constatez qu'ici par exemple, voilà, je suis niveau 10 en entrepreneur et je suis niveau 10 en carré détective, puisque j'ai je crois que je l'ai dit dans la vidéo de déco que j'avais avancé histoire de ne pas passer 3 mois non plus à ne faire que ça. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais amener mon petit monsieur ici a démissionné et à prendre un des boulots du Get to Work pour pouvoir vous montrer un second métier donc pendant une semaine. Donc ici, on est le week-end, je l'ai fait exprès puisque mes Sims vont déménager. Et oui, c'est aujourd'hui qu'ils déménagent. Et après le déménagement, je compte bien leur offrir un petit peu de soulagement. Même si ce n'est que temporaire, j'aimerais que tu récoltes une dernière fois, toi, ma grande. Techniquement, j'ai toutes les pousses en super qualité, ou presque. Je sais que le muflier n'est pas. Ah, si, il est parfait. Ah, 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 ah. Voilà. Donc, lui a été malade. On va encore guérir le symptôme à l'année. Donc je lui ai fait faire du thé. Par contre, il y a plusieurs thés, donc je ne suis pas sûr que tous les thés soient bons. Logiquement, je n'ai rien à récupérer. Parce que quand on déménage, on a tendance à vendre tout ce qu'il y a. Donc c'est ce que je vais faire. C'est un terrain que je réinitialiserai d'ailleurs, sûrement. Alors, je vais te faire réparer ça. On va en profiter histoire de faire monter un petit peu la compétence.
Qui ouvre bricolage 6. Donc vous voyez qu'en cuisine, je suis arrivé à 10. J'ai commencé la cuisine gastronomique aussi, qui est bonne déjà au niveau 6. Et il y a une autre technique pour bon, la mixologie. Moi j'ai fait une petite fête, j'ai fait un petit peu de mixologie. Et j'ai voilà, programmation à 10 aussi. Voilà, un petit peu de pâtisserie, mais vraiment un petit peu quoi. C'est pas forcément. La pâtisserie, bon, c'est un dessert, donc vous faites pas forcément des repas avec. Chercher des pièces. Bon, j'ai pris un petit peu froid. J'avoue que il y a eu des jours bien ensoleillés, bien chauds, tout ça. Pas moyen d'enregistrer sans avoir un ventilateur qui soufflait dans le micro. Et là maintenant il fait un peu meilleur, donc je profite pour filmer un peu. Sauf que du coup, bah voilà, comme il a commencé à faire froid, j'ai chopé un petit quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, toi t'as fini. Toi t'as fini. Non, t'as pas fini. Tu te fous de ma gueule, quoi. Elle s'arrête en plein milieu, je sais pas pourquoi. Tu me saoules! Toi, ma grosse. Et alors, lui aussi, d'ailleurs, a commencé un petit peu à donner un petit coup de main en jardinage. D'où son dirosis. Parce que je m'en sortais plus avec toutes les plantes que j'ai. Je veux dire, pour tout entretenir, je mets quasiment la journée. Honnêtement, quasiment la journée, c'était juste pas possible d'avancer. J'ai enfin, pour ceux qui se souviennent, comme j'avais pas encore de mise à jour, je récoltais des œufs, des œufs, des œufs, des œufs et des œufs. J'ai vendu des œufs, ça m'a fait une fortune. Bah, on voit la preuve ici, j'ai pas de cheat. C'est juste leur boulot et les œufs que j'ai revendus. Je ne revends pas les plantes. C'est un truc que je devrais faire d'ailleurs, vendre les plantes. Alors qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu fais de la même ça marche. Bon, toi, tu te causes. À force de parler, je ne sais plus ce que je voulais faire. Ouais, donc je vais déménager. Donc, j'espère que j'ai tout dans mon inventaire. J'ai vidé le frigo ou presque. Le reste, je n'ai rien. Si j'ai cheat un petit peu le truc ici, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas si je perds ce qu'il y a dans mes contenants ou si au contraire je le récupère. À mon avis, ça, je sais pas si ça restera non plus. J'aimerais bien que ça reste. J'aimerais bien que ça reste pour que si jamais j'ai un souci. Je puisse venir les récolter, mais en attendant, ah, ce sera ça. Donc on voit que j'ai aussi une collection de petits personnages du Dio Région. Ici, j'ai toutes mes plantes. Et donc, messieurs et mesdames, il est midi et vous allez déménager. Hop. Hop, elle a proposé un cas, on a organisé un événement social. Donc ça, c'est quelque chose que je ferais, histoire de faire ma pendaison de crémaillère. Alors, déménager le foyer. C'est parti, mon kiki. Allez, allez, on déménage. Vas-y, utilise ton téléphone. Utilise ton machin, là. Que voulons-nous des demi-murs? Nous trouvons-nous en mode construction? Wouhou! Donc ouais, ici j'ai vraiment toutes les dernières mises à jour. Je suis content, ça faisait longtemps, j'avais quelques bugs. Et bah, j'avais vraiment envie d'avoir autre chose. Oh ça j'y peux pas acheter, c'est trop cher. Mais tu peux acheter les gros machins là, je peux même ach pas acheter ça. Donc voilà, ma maison est ici. Voilà, elle ne coûte que 120 000. Je n'ai pas encore regardé les meubles, non. Non, je vends les meubles. Je m'en fous. Alors ça, je te veux meubler. Ah, parce que je me suis pas amusé pendant des heures à décorer le machin.
Donc il va falloir regarder aussi aux nouvelles décos qui sont disponibles avec la dernière pack. Ça va faire vraiment vraiment plaisir. J'ai déjà regardé un petit peu, j'avoue. franchement, il y a des trucs magnifiques. Pas beaucoup de trucs. Honnêtement, pour le prix des packs, je trouve que c'est un peu exagéré. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Pareil, le fait d'avoir de nouveaux types de packs. Parce que bon, avant, il y avait les add-ons et les packs d'objets. Maintenant, il y a les add-ons, les packs d'objets et le truc qui rajoute le gameplay, un petit peu comme le spa. Donc, c'est des prix qui sont quand même beaucoup trop chers. Franchement, c'est heureusement pour nous, pour ceux qui achètent en dématérialisé en tout cas, qui décident, qui proposent d'acheter des clés pour un petit peu moins cher. Voilà. Et donc nous voici dans ma superbe nouvelle demeure. Bon, je fais une petite pause. Donc on voit que le terrain est plutôt vierge. On est dans un très très beau quartier. C'est le quartier où j'ai été récolté. Pas le citronnier, l'autre, le cerisier. Le cerisier, il est où? Non, là, voilà, le cerisier. Et je fais attention de ne pas me tromper de touche. Hop là. Voilà, donc souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi les deux derniers épisodes, donc la construction de la maison et sa décoration, que voilà, j'avais fait une superbe, superbe maison. Super, juste génial. Parfait. J'ai vraiment pris tout mon temps. J'ai même réussi la cheminée, s'il te plaît. C'est la grande classe. C'est la grande classe. Donc, vous avez remarqué qu'il y a ici une chambre pour enfants. Et donc, oui. Oui, j'y vais essayer de les faire s'y reproduire. Du coup, par quoi je commence? Donc aujourd'hui, il ne travaille pas. Mais par contre, toi, tu vas directement changer de boulot. Démissionner, non, trouver un emploi, tout simplement. Ça ira parfaitement. Ah oui, tu as un nouvel ordinateur. Depuis quelques épisodes, pardon, depuis quelques jours, il n'y avait plus d'ordinateur. Je l'ai vendu pour en avoir un meilleur parce que j'avais du mal à monter ma compétence pour avancer dans son travail. Et petite gratouille de l'oreille. Et je n'ai pas racheté d'ordi derrière en fait. Donc du coup il a monté sa compétence tout seul, le pauvre. Du coup, hop là, tu téléphones à ton boulot. Toi, tu peux garder ton travail, il n'y a aucun souci. Hein, tu prends même plus de 2000 Sims Flouz par jour, donc tu peux franchement garder. J'hésite à te remettre un jardin tout de suite. Alors, ce qui est dommage, bon, je l'avais déjà dit, c'est qu'il n'y a quand même que trois métiers. Alors que sur l'addon qui avait rajouté ce genre de métier dans les Sims 3, j'en avais déjà beaucoup plus. Et ils n'ont pas rajouté. Je veux dire, c'est à moins que le prochain add-on en rajoute. Ce qui m'étonnerait, parce que bon, l'add-on ne portera pas justement sur les métiers. J'aurais préféré qu'ils puissent au moins rajouter un petit quelque chose, quoi. Ça aurait pu être vraiment sympa. Donc ici, j'hésite entre médecin et scientifique. J'avoue que j'ai envie de faire médecin. En fait, bien que j'apprécie vraiment scientifique, j'hésite. Vous savez quoi? Comme j'ai le trait de caractère fou, je vais prendre scientifique. Donc on voit que je ne travaille pas le samedi et dimanche. C'est pour ça que j'ai déménagé du week-end. Ah, oui, j'abandonne mon autre boulot. Et je prie pour que mon travail commence lundi.
Yes. Non, pardon. Ah là, magnifique. Donc j'ai le week-end, tranquille pépère. Contrairement à l'autre fois, où j'avais dû filmer plusieurs jours avant de pouvoir commencer réellement l'aventure. Et où j'ai fini par ne pas diffuser ce morceau-là. Une fois un petit peu de repos. Et toi, tu veux prendre un jour de congé, tu viens de déménager, donc va te faire. Ah, voilà. Hop. Ah ouais, direct l'ordi, hein. Je dis, la seule chose qu'ils ont à foutre, c'est ordi, s'il te plaît. Non. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Voilà, c'est une bande de geeks. C'est une bande de geeks. Alors ça, c'est dommage. Qu'on voit l'arrière de la chemise. Avant, il y avait... Enfin, ça, j'ai déjà expliqué, je vous réexplique. Avant, il y avait directement le tuyau. Enfin, ça s'appelle pas un tuyau, c'est pas... De la cheminée. Ah, j'ai essayé d'allumer un petit ventilo. Ça n'a pas marché. Et qui arrivait jusqu'au bas, qui était directement livré avec. Merci pour l'envoi. Directement avec la cheminée. Ce qui n'est pas le cas ici, donc j'ai fait ça. Donc ça donne plutôt bien. Hein. Ça donne plutôt bien. C'est même mieux. Qu'est-ce que je pense, hein? Qu'est-ce que je pense, hein? Bon. Donc ici, on voit que le trou. Je vais tout de suite. J'ai lu qu'il y avait des demi-murs. Je vais tout de suite voir de quoi il s'agit. Alors, voilà ce que c'est. Outil sous-sol personnalisé. Non. Donc, demi-mur. Voilà. Demi-mur haut. Il n'y a pas? Demi-mur haut. Ah, ça, c'est les moulures pour le mur. Ok, d'accord. Donc, on peut faire juste. Ah, donc on sélectionne un mur en fait pour le rétrécir. Oh, ça va jusque là. Ah ouais. Oh, ça va. Oh, c'est joli. Alors ça, c'est à la moitié du machin. Et ça, c'est juste que tu... Ça, c'est une taille normale. Donc ça c'est vraiment le cas. On peut même dessiner le... Ouais, oui, c'est logique, oui. Et on a les rambardes. Ok, ça c'est nickel. Donc on va tout de suite aller voir les nouveaux objets. Afficher tout. Il me semble que j'ai déjà filtré. Donc j'ai déjà filtré. Voilà. Donc on a des tantos. En cuisine, soirée de luxe et ambiance patio. Ah! En fait, je pensais que j'avais la mise à jour soirée de luxe. Mais je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, je l'ai eu après. Voilà, donc voyons un petit peu ce qu'on a. Ah, gratouille! Ce qu'on a au menu. Donc j'ai. Je regrette un petit peu d'avoir fait une cuisine comme ça. Parce que je vois qu'il y a des choses un petit peu plus sympathique. Ah, c'est vraiment super, c'est vraiment super. On a même ce genre de petites choses là. C'est quoi ces merveilles modernes, cette machine moderne imaginée par l'homme, une question de sa médiocrité, une situation méticuleuse, méditation, maximiser sa majesté au moulure mosaïque, ouais. Enfin, bref. Là. Table creuse, ok, d'accord. Cachette de recette. Ouh. Ici on a quoi? Cube boom. Ouais, ok, d'accord. Ah, petit pardon. Faudra que je j'essaierai de faire peut-être éventuellement à l'épisode spécial déco de jardin. Peut-être que une douche eau tranquille. Elle fait combien la douche? 6, 3, 3, non. Elle n'est pas meilleure que celle que j'ai. Oh, c'est joli. Alors, il y a des bains remous.
C'est bien dommage parce que j'ai rêvé, mais on mettra dans ma salle de bain. Sauf que ma salle de bain, et si j'y mets un bain remous, et les gens ils rentrent pas du dos. Il y a vraiment de très 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 belles décors. C'est un superbe aquarium. Ça, un aquarium pour mettre dans une entrée. Je vois plus l'aquarium. Ouais. Ça pour mettre dans une entrée, c'est super. Le plus beau, hein, c'est de mettre ça, un petit peu comme j'avais fait ici avec le bar, c'est de mettre ça entre les murs. C'est superbe. Ça vous ouvre. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule pièce. C'est si simple que ça. On a ceci ici. Je crois que je vais me faire un petit spa extérieur en fait. Soyons fous, soyons folles. Et avec une petite fontaine lunette. Attends, c'est une fontaine intérieure, c'est quoi? Une fontaine pour un délice gustatif. Ah, c'est une fontaine. C'est pas la fontaine de chocolat? Superbe table de banquet. Oh là là là. De la déco, des belles petites plantes lunettes. Oh, il y a même ça, des petits murs de feuilles. Ça, c'est magnifique, hein, pour faire un jardin. Le bambou aussi. Le bambou. Si je veux pas en rajouter du bambou. Du bambou. Est-ce qu'on peut mettre du bambou? Voilà, un petit peu de bambou, ça fait du bien. Ah, ça aussi, c'est superbe. Ça, honnêtement, j'en avais un dans un bureau. Enfin, dans une salle d'attente. Et c'est super, c'est hyper rafraîchissant. Quand il fait bien chaud, là, qu'on peut pas ouvrir la fenêtre, surtout dans une salle d'attente, ça rafraîchit, mais c'est juste magnifique. Alors, je sais pas combien il y en a plus. Ah, oui, il y en a un très grand, en fait. Et l'autre un peu plus petit. Mais c'est quoi? Des petites étoiles au sol. Ok, d'accord. Ouais, très bien. On a des ustensiles, etc. On a de la déco, mais juste à fond. C'est quoi? Pour serviette. Crochet à vêtements. Ok. Oh, shake et bat. Oh, ça, c'est superbe. Ça pour mettre au plafond quand vous avez un plafond vert, c'est juste génial. Ah, tiens, j'ai oublié un truc juste ici. Ah, c'est pas grave. Alors ça, une bande de lumière. C'est super beau aussi. Belle petite lampouille. Son fluide par DJ Machin. Alors la sorbetière délice sucrée. Je n'ai pas assez de place pour mettre une superbe sorbetière. Non. Si j'ai de la place, qui a dit que je n'avais pas? En fait, si je sais que si je décale tout ceci, j'ai un petit peu de place en plus. Mais ça serait moche. Bon, je ne vais pas le faire. Donc là, on a la même chose. Effort élégant. Ouais. Donc j'ai pas de pièces non plus pour ce genre de petites choses. Ça, c'est aussi magnifique. On voit qu'il y a des trucs que j'ai déjà regardé. Et ça, c'est quelque chose qui se met devant. J'en ai pas mis d'ailleurs. Ça, c'est super beau aussi. Ça, bon, c'est pareil. C'est un mur pour un. Ça, c'est quelque chose vraiment à mettre à l'extérieur, le bon bousier. Oh, un petit porte-épices. Ah, j'aurais bien voulu mettre un porte-épices, mais ça ne passe pas. Alors ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Là, on a ça, ah, qui est superbe en déco aussi, en éclairage. On a ce genre de choses aussi qui est superbe. On a du. Ah, on a des nouveaux frigos, etc. On a ça que j'aurais bien voulu mettre. Mais je ne suis pas sûr que ça rentre dans le reste de la déco. Et non, ça ne rentre pas dans le reste de la déco. Donc c'est tant pis. Voilà.
Et ça passe même pas. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Je vais donc préparer une petite fête pour demain, parce que là il est trop tard. Donc j'ai changé de métier. Je vais préparer une petite fête. Organiser un événement social. Alors j'espère que je ne l'organise pas pour aujourd'hui. Parce que je voudrais juste faire quoi. Allez, tu regardes pas la télé en filmant. En téléphonant. Donc, pas une fête privée. Je vais faire un petit dîner. Tout simplement. Et on peut même pas faire de fête incognito là. J'ai une soirée normalement. Ah. Bon. Je vais faire un dîner. Les récompenses de niveau 1 incluent le nouvel objet. La cuisine. Ouh. Donc hop. C'est un invité. Voilà. Donc du coup, ouais, si je fais un... Il y a un trait... Ok, d'accord. Non. T'es nul, toi. T'es nul. Moi, je suis meilleur contre toi. Voilà, je suis meilleur. Je me suis entraîné. Catherine, oui. Hey, tu le fais maintenant? Je vais le faire demain, moi. Je suis pas prêt. Je suis pas du tout, alors pas du tout prêt. Ouais. Oh, ça a été transféré. Ça, c'est cool. Alors, comme je suis en joueur, hop, je prépare des biscuits. Alors, toi, je sais que t'es nul. Où est-ce que tu es, toi pour... What? Mais la madame, elle est à l'autre bout de la planète! Et les gens s'invitent comme ça à venir faire. On va fermer la télé. Et on va allumer la Zikmu. Alors, petite musique d'ambiance, enfin. Voilà. Alors, ouais. Voilà le petit problème que j'ai tout à l'heure. Donc, comme je l'ai déjà dit. Dans ma vidéo de déco, on a les Sims qui ont tendance à préparer leur nourriture sur le truc qui est le plus près de. Ah, j'arriverai à trouver mes mots. le plus près du frigo. Et donc, ici, bon, comme j'ai rajouté quelque chose, et ben je l'ai eu dans le popotin. Donc, l'astuce est de récupérer un truc et de le mettre. Comme un gros sale tout seul ici. Et oui. En fait, j'en ai besoin d'un peu plus que de. Ah, je peux pas faire ça. S'il te plaît, ça c'est moche. Bon, je mets ça ici. Et en fait, je voulais une petite machine de thé. Et ouais, parce que c'est Magix. Nettoyeur de vaisselle professionnel. Et tu me dis ça maintenant? Il y a la vaisselle. Il y a la vaisselle.
Depuis quand? J'ai cherché après. Bon, donc, toi, monsieur, hop, tu finis le manger. Voilà, objectif principal, appeler les invités pour le repas. Faire en sorte que les Sims écoutent de la musique en même temps. Les hôtes socialisent avec les invités, ouais. Préparer une salade du jardin. Ok, d'accord, donc je vais préparer une salade du jardin. Il faut en fait que je mette de la musique ici. Donc, je n'ai pas de radio, je ne veux pas réutiliser ça. Ce qui veut dire que. Ouais, il faut manger là. Ce qui veut dire qu'il me faut une radio. Je vais regarder dans mon inventaire de famille si je n'ai pas un petit quelque chose. Qui. Quoi? J'ai quand même des drôles de trucs, moi, dans mon. J'ai même une plante vache. Ok. D'accord. C'est pas grave, c'est je. C'est pas du tout ce que ça voulait et je n'ai pas de radio. Ou alors c'est moi qui suis passé à côté. Non, j'ai pas de radio. On va en acheter une. Salon. Hop. Je vais enlever cette déco aussi. Et je vais mettre. Ceci. Ah, c'était une radio ce machin. Je vais mettre ceci. Voilà. Ça fait beau, ça fait chouette. Bon, je sais pas si ça va être. Ça va être top top. Ah, du coup, j'ai pas autant de. J'aurais bien voulu mettre du classique en fait. Si. Ah bah voilà, classique. Classico. Seigneur. Tu tiens le bar, bah ça c'est bien ça. Je sais pas pourquoi t'es habillé comme un sac par contre. Ah ouais, les gens se servent carrément dans mon frigo, s'il te plaît. Vous pouvez pas attendre que je serve le dîner comme tout le monde, non? En parlant de dîner, d'ailleurs, je me sers où? Sur quoi? Oh, regardez comme c'est mignon avec des petits cœurs. La qualité est excellente. Je vais mettre ça ici, en début de table. Et je vais faire. Une autre chose. Une salade de jardin. Voilà, la salade de jardin. Cuisiner salade de jardin. Salade de jardin. Merci au connard qui klaxonne depuis tout à l'heure. On va en avoir marre. Comment dire, est-ce que. Gâteau, chili, ragoût, pain perdu. Bon, il y a un petit déjeuner, spaghetti, pancake, machin, gratin, tacos, toast, sandwich au fromage fondu, gâteau, burger, haricots, saucisses et juniper! Non. Je n'ai pas la salade de jardin, t'es sérieux? Je n'ai pas. Ah non. Ah non. Préparer un truc. Non, ça sera pas là, ça déjà dans le décor. Machin, saumon, frites, asperges, cheesecake. Non! C'est moi qui suis pas au bon endroit. Salade de jardin.
Bon, il me faut une tomate. Ma chérie, il me faut une tomate. Une parfaite en plus, s'il te plaît. Est-ce que je l'ai eu la tomate? Allez, vas-y, prépare à bouffer plus vite. Je veux réussir, moi. Mais allez-y, servez-vous. On vous dira rien. Allez, finis la salade, c'est pas net. Arrête de lui causer, le pouf. Comme ça, toi. J'appelle les gens à table. Ça devrait aller. Ok, donc, ouais. Ok, je vois. Ok. Hein. Ce soir, ensemble. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez écouter la musique? Pourquoi ils n'écoutent pas la musique en même temps? C'est pas en même temps qu'on le repas, c'est ensemble en fait. Enfin, j'espère que c'est ce que je crois. Sinon, j'ai l'air que la sociabilisation n'a pas l'air d'être génial. Il y a que deux invités, donc vraiment, je peux pas me sociabiliser avec quatre personnes. C'est juste pas possible. Donc en fait, je fais ça pour c'est gagner l'argent. Il faut juste que je monte jusque là. Que j'arrive à faire au moins un ou deux trucs de plus. Donc la sociabilisation, c'est patate. La sociabilisation, c'est patate. Donc toi, bon. Ouais, c'est bien. Tu peux nettoyer ça en même temps. Tu vas préparer une boisson. Prépare une boisson. Tu peux pas en préparer plutôt. Où est l'autre? Où es-tu passé? Ah ouais, tu rentres dans la chambre des gens, toi. Bravo. Ouais. On peut pas verrouiller la porte pour. Oh, ouais, si. C'est vraiment incroyable. Les gens s'invitent mais n'importe où. S'il te plaît. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut. Ici on peut pas verrouiller, c'est con. Faudrait que je mette une porte normale histoire qu'ils ne viennent pas s'inviter chez moi. Je déteste ça. Mon de sale gueule. Sale. Quoi? Comment ça déjà fini? Tu te fous de moi? Ouais, tu... Tu fais ça pour me réconforter, c'est gentil. Tu me réconfortes pas des masses. Hein. Yeah,
Là, j'y vais noyer ma. J'y vais noyer ma. Ma douleur. J'ai complètement loupé mon machin. J'étais pas préparé à le faire aujourd'hui. Je pensais que je pouvais choisir l'heure. Et ben non, quand tu lances le machin, ça se lance tout de suite. Dans les Sims 3, vous lancez le machin le matin. Et ça se passait l'après-midi, le soir. Après que les gens aient travaillé. Ouh, pardon. Ah, les aléas du direct. Donc si c'est pas le cas, eh bien tant pis. Ouais, tu le bois ton machin là. Tu dors. Yanabi. Oh, Benvoy. Alors bon, pour fêter ça. Pour fêter ça. Quoi, il est encore là, l'autre pouf? T'es sérieux? Ah ouais, mais ouais, j'ai fermé. Du coup, il s'est pas sorti. Ouais. Autant pour moi. Va réconforter. Ton mari. Attends, non, voilà, hop. On va niquer. On va niquer. Non, l'autre est sorti de la chambre. Hein. Je peux refermer la porte. Ah, pour les membres du foyer. Uniquement les membres du foyer. Avant, on pouvait verrouiller avec les portes que si on avait le, la donne université. Dans la Sims 3. Donc qu'est-ce que tu lui racontes comme connerie? Voilà. On vient baiser. On fait le miracien. Voilà, c'est... Moi, je sais pas, toi, fais-lui quelque chose. Voilà, être désirable. Offrir une rose. Merde, j'ai vu le truc que je voulais. Ah ouais. Ah, j'ai vu ce que c'était. Oh là là. Allez, à du direct. Bon, j'essaie d'éternuer le plus loin possible du micro, mais à mon avis, ça s'est entendu. Mes excuses. Enfin, non, je m'excuse pas après tout, merde. Vous faire foutre. Ah là 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 là. Un seul regret, c'est le clavier rouge. Ça. Je trouvais que le CF3 était beaucoup plus personnalisable à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment choisir les couleurs de chaque truc. À moins que. Voilà, donc c'était. The Lord Samurai en direct des Sims 4 et petit épisode un petit peu plus long parce que j'ai expliqué pas mal de choses, on a été voir notamment les petites nouveautés. Je ne sais pas, non, je ne vais pas vous faire passer le dimanche ou si peut-être, je ne sais pas, je verrai, je vais le filmer puis on verra si c'est du contenu intéressant ou pas, et donc je vous dis salut salut.